Quand même, ça mériterait de passer plus de temps là-dessus, parce que comment c'est composé, ça? C'est-à-dire, l'homme a lâché ou l'homme a donné un coup, et après tombe la pierre tombe. On ne sait même pas si c'est deux phrases ou... Je ne vois pas quel est le problème. Ici, on voit que dans une situation ici, on donne d'abord tous les actants sont donnés au début et tous les prédicats, les situations sont données à la fin. Après, vous pouvez appeler ça un collectif ou non, mais non, les données sont claires. Moi, il faudrait que je revoie ça. Donc vous dites qu'il a fait l'homme et la pierre, et après il a fait donner un coup, tomber. Oui, Et si c'est ça, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'ai pas vu la pierre d'abord. Vous avez vu ça? Avec le coude, je suis pas sûr qu'il l'ait fait. Ah, c'est vrai qu'on recommence avec la main de sueur et le coude. Ben. Ça, là, elle est tombée. Je suis perdu, je vois pas la pierre. Mais ça, c'est la pierre, le deuxième, c'est bon. Ça lui bien. Ah, si. Encore. Ça dépend d'abord de dire comme elle a fait tomber. Le coude. Ok. Ça c'est la pierre, non? Ouais, apparemment. Mais on l'avait pas vu dans La pierre est tombée. Si, si, si. C'est la tombée, hop. Et pourquoi il voulait savoir le volume alors? Je crois que... Parce que quand ça tombe, et ça peut... Ça se... J'imagine que c'est une voix. C'est ça. C'est une oui. Et on n'avait pas vu ça ailleurs, je veux dire, c'est vraiment troublant, c'est vraiment intéressant ça. Comment c'est construit cette chose? Mais oui, ça a l'air d'être sujet, objet, verbe, avec une espèce de verbe complexe à la fin. Oui, mais justement, puisque c'est je veux qu'on mette toutes les choses thématiques au début. Ben soit, mais on ne voyait pas ça avant. D'ailleurs, avant, on n'avait jamais l'objet. Ou très rarement, je ne sais plus. Bon, on l'a pas eu pour la voiture, ce n'était pas clair en tout cas. Ben, parce que peut-être que... Et si on demandait, il a lâché la pierre, est-ce qu'on aurait... Il a lâché la pierre. Pour la voiture, c'est évident, enfin, je veux dire, c'est un véhicule, quoi, que le chauffeur est dans un véhicule, alors que là, la pierre, ça aurait pu être un vase, ou je sais pas. Tu penses que c'est dans la c'est pas. Plein de des morceaux. Il a laissé la pierre. Non, parce que, moi, c'est une idée complètement bizarre, mais... Quand on a eu, il a ouvert la fenêtre, il m'a semblé que c'était aussi SOV dont il a ouvert la fenêtre. C'était lui, fenêtre ouverte, je crois. Mais est-ce que ce serait possible qu'il y ait, généralement, l'objet précède le verbe quand c'est un sens causatif? Par exemple, par opposition à il a vu la pierre. C'est possible aussi qu'il y ait un effet de priming de la carte causative avant. Qu'il les met déjà dans un sens thématique, donc déjà il était là-bas dans un sens sujet, c'est pour ça qu'on reçoit cet ordre aussi après. Je sais pas. Et est-ce que j'ai encore le temps de continuer? C'est 30 minutes. Ouais, je peux faire la numéro 1 déjà. Ben.
prochain, je vais faire sur les différents verbes de rire. Ah, ben, ça sera très bien. Ok, mais disons que c'est qualité de rire, peut-être pas plus. C'est le rire pour ça. Et maintenant, mon ami me fait rire. Ça, c'est un petit peu. Peut-être qu'il faut lui donner du contexte. Et ça veut dire qu'il est ridicule ou bien qu'il est. Qu'il lui a fait une blague. Ouais. Bah, il veut dire qu'il fait un blague. D'accord. Il faut lui dire, je pense. Il raconte. Ou il raconte une histoire. Me fait rire. Mais ça veut dire quoi ça? Pas du tout, c'est bah là, visiblement, il a compris qu'il faisait une blague. Mais il faudrait vérifier. Parce que si je fais pas ça, ça me ferait. Ça veut dire bien. T'as même pas celui qui rit, c'est pas ça. Il me fait rire. Parce qu'il rit. Pourquoi? Mais non, c'est parce qu'il a mis un autre truc. Et si. Et si il y a. Mon ami m'amuse. Toi. Non, et deux B. Mon ami. Ah, oui, oui. Ça veut dire. Jobbing. C'est très brade. Ouais. Mais. Est-ce que. Il fait rire à ses dépens. À ses quoi? Malgré le faire à ses dépens. Malgré lui. Malgré lui.